Привет, товарищ! Привет, Токарев! Юкумельска! Закуски? Караскос, подсказки, подсказки, а я. Калешников? Les autres abrutis taf là, oh là là, ils ont tout détruit ce qu'il Moscou. Tout brûle ski. Débile, Mongolovski. Skandalskaya. Jouski comme un piétof. Te carré. Alors, intro magnifique. Oui. Il est en pleine totale synchronisation. Ah mais si, il fait froid, hein, on est en Sibérie là. De plus en plus pro. Franchement. Nous parlons de Guardians qui sort le 17 février en Russie. Et t'oses pas le dire en russe, hein. En russe, ça se dit... Zashnitsniki. Et c'est un film assez incroyable hein, que notre producteur nous a déniché ici. Ah, il y a quelques trailers qui traînent depuis un moment et c'est quand même assez fascinant. Quoi. Tu notais toi-même que dans la préparation hein, de cette émission, que c'est un film qui était dans la mouvance de ces espèces de blockbusters russes un peu tarés. Ah mais ouais, grave, mais c'est le cinéma russe, c'est un cinéma assez fascinant parce qu'ils essayent de copier le modèle américain, mais en faisant des trucs complètement fous, un peu comme ce que tu penses à Hardcore Henry, qu'on a chroniqué dans cette émission. Ouais, qui finalement est un putain de film. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et ce que j'aime, c'est que chez les Russes, c'est que c'est fou. C'est complètement fou. Et là, pour le coup, on va voir, mais a priori, le truc, c'est une espèce de version russe des X-Men et des Avengers, quoi. Avengers Kaya, quoi. Voilà, parce que les Guardians sont une équipe de quatre. Ils sont quatre, hein, ouais, c'est ça. C'est les quatre Fantastiskov. Quatre personnes génétiquement modifiées qui ont été réunies et expérimentées, modifiées par une sorte de groupe qui s'appelle justement Patriot, voilà. Et qui a formé ces individus. Qui a formé ces individus pour lutter contre une menace qui plane sur la guerre froide. En fait, c'est des agents dormants de la guerre froide qui sont réveillés. Ah, ils sont réveillés, ouais, d'accord. Ok. Donc j'ai rien compris au scénario. On va le lancer tout de suite hein, parce que finalement, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. On commence maintenant ? Bon, voilà. Avant de commencer, moi je voudrais juste dire que c'est réalisé par un réalisateur arménien qui s'appelle Sarik Adreazian, qui a réalisé un film qui s'appelle Survival Games, qui est sorti en DVD. C'est les grands tarés de 7-7. Non, je ne l'ai pas vu encore. Okay. Et qui a fait aussi un polar nord-américain avec Adrian Brody qui s'appelle American Ace, un film canado-bidulo-luxembourgeois, je crois. Fabuleux. Voilà, et donc, ça sort en février 2017, il n'y a aucune date de prévue en Occident. Et en Russie, donc, ça sort. J'espère sincèrement qu'il y aura un fou furieux qui sortira ça, parce que j'ai trop envie que ça sorte chez nous en DVD ou en film, quoi. Bah, si 7-7 nous entend, hein, voilà, hein, allez-y, hein, vous savez ce qu'il vous reste à faire. On lance la guiche, mon vieux. Voilà, la guiche Skaski. Voilà, on commence avec le premier. Super, qui a donc un méga bouclier de Captain America avec un gros trou au centre. Ou alors une espèce de roue de secours. Hein. C'est un espèce de super-héros avec roue de secours. Aussi. Il s'appelle Khan, alias Windman, l'homme vent. À ne pas confondre avec Jean Lépin, qui est son collègue d'une autre équipe passée. Je ne comprends absolument pas. Bah Khan, Jean Lépin. Voilà, c'est le maître du vent. Et, voilà. Et c'est joué par... un mec magnifique. Ouais, maître du vent, merci. Zanzar Madiev, un mec qu'on a vu dans la série Marco Polo. Très bien. Voilà, et donc c'est une espèce de clone aussi du soldat de l'hiver, tu penses vachement.
Bon, après, au niveau des plans, du cadre et du look, finalement, c'est pas plus pourri. Ah bah c'est Marvelo compatible oui, à fond. Mais on est d'accord. Hein. Mais finalement, c'est... Oh là là, quelle horreur, c'est CGI. Ah, moi, j'ai trouvé plutôt bien branlé, mais bon. Ah non, la fumée, là. Non, c'est atroce. Tu vois tout de suite que c'est du... Tu vois très bien qu'ils n'ont pas vraiment foutu le feu à une ville, c'est ça que tu veux dire? Bah, non, mais tu vois quand même, tu vois, après c'est plus ou moins bien fait, mais tu vois bien que c'est quand même des images de synthèse bien dégueulasses, quoi. Ouais. Alors là, on arrive à un moment, c'est mon personnage préféré, c'est Landman, l'air, qui est l'espèce de barbu qui parle au caillou. Ouais. Et voilà, donc c'est un mélange de La Chose et de Hulk, vous allez voir au fond... Au fur et à mesure de la bande-annonce, c'est le mec qui est capable de faire des trucs. C'est un peu la caution nanarde du film. Mm-hmm. Hein. Voilà, et il est joué par Sébastien Cizac, un mec qu'on a vu dans La Résistance de l'air, c'est de polar français assez improbable ces derniers temps. Voilà, donc là, il est en train de faire le muse avec des cailloux. Non, mais ce que je veux dire, c'est... Ah, oulala. Alors ça, c'est quand même le plan nanar. Ah mince, on l'a loupé. Ouais, on va rester dessus. Mais ouais. C'est le plan nanar qui... C'est le plan nanar de méga de cette aguiche. Hein. Ah mais non, mais c'est ça qui est beau. On dirait un personnage sorti de Tekken. Je sais pas, tu te souviens, les hommes-loups ou les... Enfin bon. Alors l'ours, hein, dans la tradition hein, russe, hein, on a l'impression que c'est... c'est le symbole, ouais, c'est une figure qui vient régulièrement dans le folklore russe. Hein, force... miel, vigueur, griffe, hibernation. L'équipe nationale russe aux Jeux Olympiques de Montréal en 80, et ben l'emblème c'était un petit ourson hein, qui est oui, symbole de Russie. Voilà. Oui, quoi? Montréal, c'est pas en Russie. Pardon, n'importe voilà. Quoi. Donc sinon le personnage Moscou, les Jeux Olympiques de Moscou en 1980. J'ai dit Montréal, pourquoi? Parce que neige, hiver, froid, Moscou. Voilà, vodka. Il y a un lien, et je suis désolé, il y a un lien enchaînant. Voilà, donc ce personnage c'est Ursus, alias Wildman, le fait de Nounorski tout vénère. Voilà, il s'est joué par Anton Pompouchny. Voilà, qui lui a joué dans Ta Torte. D'accord. Un épisode de Ta Torte. C'est lui là. Quand même, c'est voilà. Très étonnant parce que ce plan, on dirait un plan tiré d'une cinématique de jeu vidéo. Le type. Oui, on dirait qu'il est en totalement image de synthèse. Et là, on arrive à la meuf, la femme invisible. Hein, elle a laissé sa petite sœur lui faire des dessins pendant la nuit. C'est la meuf au tatouage les plus dégueulasses de l'histoire des tatouages quand même. Et c'est quel personnage? Elle joue Xeni, la Water Woman. Voilà, c'est une nana qui maîtrise les fluides. Okay. Donc, elle peut être capable de se transformer. Il y a le producteur qui fait un signe hyper équivoque, salace, tout ça, machin. Je ne vois absolument pas ce qu'il veut dire. Ouais, c'est tellement surprenant de la part du producteur. Voilà. Oh, et c'est joué par, elle est jouée par une demoiselle qui vient de la télé russe, qui n'a rien fait de spectaculaire, qui s'appelle Alina Lanina. Voilà. Voilà. Alors c'est marrant parce que sur IMDb, ils te mettent que ce truc a coûté 380 millions de roubles. Oui, mais bon, en roubles, ça fait quoi? Ça fait... Alors j'ai traduit en... J'ai converti ça fait 3,50€. Ça fait 6 millions de dollars américains. Voilà. On arrive... C'est pas énorme, tu vois. On arrive au méchant. Le méchant en plastique, une espèce de Bane plastifié. D'accord, donc c'est bien lui le méchant, mais je trouve quand même que globalement, on ne comprend à peu près rien à ce qui se passe dans cette bande-annonce. On n'a aucune idée très claire du pitch. Bah si, il y a un méchant. Bah attends, c'est un peu comme les Marvel. Il y a un méchant, il y a des gentils, ils détruisent une ville. Mais à part ça... Bah je sais pas, c'est un peu comme les Avengers, quoi. Bon, ça, là, il y a des... Non, c'est pas très gentil. Ah bon, dans Avengers, il n'y a pas des méchants, des gentils Mais c'est un peu plus complexe. Alors on a loupé l'air et son espèce de lasso en caillou qui brille. Mais je trouve que pour 6 millions de dollars, si c'est vraiment ce qu'a coûté ce film en dollars, finalement c'est quand même pas trop mal. C'est bien pourri, c'est super spectaculaire. C'est franchement pas plus pourri, c'est pas plus laid que X-Men Apocalypse, quoi. Oh là là. C'est un film que je vous le concède, cher producteur. Ah mais moi je suis très curieux de voir ça parce que moi j'ai... Je vois la folie russe en plus du... Ah, on dirait un plan matrixien à fond. Un plan de jeu vidéo, surtout. Enfin, voilà, on est dans un clone russe de tout... un mélange de Marvel, DC Comics... Je trouve qu'on ne comprend rien. G.I. Joe, la légende d'Hercule... On est dans aucune caractérisation des personnages, très clairement, quoi. Alors, je sais pas si vous avez vu qui fait quoi. Le magnifique Lair, il a un magnifique gilet en cailloux. Le plus bel effet. Voilà. Ça, c'est... Ah, mais moi j'adore, c'est complètement taré. Ursus avec son espèce d'ultra gun là.
Hardcore Henry, quand même, s'était pris des critiques dégueulasses quand ce truc est sorti. Hardcore Henry, c'est très très bien. J'ai l'impression que tu fais partie des... Ah, moi je... Ah non, toi aussi ? Hardcore Henry, c'est... Pour le coup, c'est... On sort complètement du sujet, mais Hardcore Henry a réussi à... Et c'est ma grande surprise, à transcender totalement son idée de départ de point de vue subjectif, parce qu'il justement, il arrive à mélanger à la fois des scènes d'action complètement tarées et des vraies scènes d'intrigue et qui ont un sens. Et elles ont un sens uniquement, et c'est le personnage qui sauve totalement et qui rend ce film génial, c'est le personnage de Charteau Copley, le multi-Charteau Copley, ce qui fait que ça donne un sens. C'est que tu as envie de voir, tu le vois, il joue tellement de personnages différents. J'ai pas vu le film. Hein, donc et ah non, mais c'est un film très étonnant, hein, très très étonnant. Et fou, les Russes sont fous. C'est-à-dire que ça tue, ils butent des civils, rien à branler. Quoi, alors que dans les films américains. Ce n'est pas en soi un gage de qualité du film. Non, c'est pas un gage de qualité, c'est un gage de liberté. C'est pas la même chose. Ouais. Que, tu vois, le problème qu'ont les Marveleries, c'est que par exemple, dans le dernier Captain America avec le Civil War, c'est que il y a une y a pas de, y a la Civil War c'est pas c'est une guerre sans victimes. Ouais. Et elle est pas... Mais c'est ce que j'allais dire. Donc revenons à nos Guardians. 5 minutes, qu'on parle autre chose de Guardianski. Bon, voilà. On va noter avec quoi alors ? Une poupée Ruskovski ou quoi ? Ou... Ah, qu'est-ce moi, qu'on j'ai... a Oui, c'est ça, une poupée Ah, mais oui, ben c'est ça. Magnifique. Oh, incroyable, il y en a une à l'intérieur. Oh, le principe des poupées gigognes. Oh, incroyable. Bon, alors combien de poupées qui rentrent sourdes ? Alors, à toi. Ah, moi, je mets 5. J'ai trop envie de voir ça. Je veux voir ce film. Moi, je pense, ça me fait penser à G.I. Joe, à Matrix, à la légende d'Hercule avec le mec avec son lasso en caillou qui brille et tout. Putain, mais c'est beau, quoi. Mm. C'est moi, c'est perso, c'est ce que j'aime dans le cinéma. Je comprends. C'est de la folie. Mm. C'est de la folie. Mm-hmm. Une poupée sur et demi. Sur 5, voilà, parce que forcément, ça sera de la merde, évidemment. Mais c'est rigolo à regarder, le temps d'une aguiche. Et on ne sait même pas quand est-ce que ce truc va sortir. Est-ce qu'il y aura une sortie vidéo sort le 17 février. Ou alors en e-cinéma, peut-être. Voilà. Ouais, je pense que ça va venir jusqu'à nous, quoi. C'est obligé. Oui. Obligé. Bah, grâce à la Guichroom, en tout cas. Évidemment. Voilà, évidemment. C'est ce que j'attendais. Mais ça a mis du temps à venir, quand même. Tant que ça monte au cerveau, prends la puissance. Hein, la puissance. Bien, bah écoutez, je pense qu'il est temps de dire au revoir à nos téléspectateurs, bien sûr, après cette émission qui a été fort instructive sur le cinéma russe. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un panorama du cinéma tchécoslovaque dans les années 40, hein, les années 49, 40, 50 hein, plutôt, avec comme invité, bien évidemment, tourne-toi, arrête, l'ambassadeur de République tchèque en France, Gérard Prigozhin. Comme d'habitude, lorsque je tente d'improviser une vanne, je ne sais pas où ça va mener. Yann est profondément embarrassé. Le producteur est mort de Je suis plus là. Moi, je me coupe de toute vie sociale, cette fois pour de bon, pour les 5 ans qui viennent. J'ai envie de vous dire, ça n'est pas grave, je me retourne et bonne soirée. Cette voix un petit peu qui... C'est magnifique. Voilà, magnifique. J'ai toujours rêvé d'animer, tu vois, une grande émission de débat comme... En même temps, c'est l'écran, je me demande ce que ça aurait donné un film de super-héros réalisé par Tarkovsky, par exemple. Oh, ça aurait été génial. Ouais. La lande, des mecs au fond, là. Qui flottent très doucement. Ouais. Et qui regardent. Non, mais ça aurait pu être toi, un film de super-héros minéral. Ouais, de 5 heures. 6 heures, 6h30. Ouais. On est peu de choses.